auteurs de leur première victoire de la saison la semaine précédente. Les Girondins de Bordeaux accueillent Niort. Deux formations qui ont déjà réussi à gagner. Un nul, une victoire pour Bordeaux. Une victoire, une défaite pour les Chamois. Des Chamois qui sortent d'une défaite compliquée. 4 buts à 1 à domicile contre Bastia. Boutoba et Mirji sont titulaires pour les visiteurs. Côté bordelais, Ignateko, Franz Sergio et Maja sont bien présents. Première opportunité en faveur des visiteurs. Les Niortais sont à l'attaque. Ça passe à côté suite à cette action de Sagna. Attention à cette tête en retrait manquée. L'interception bordelaise. Pourquoi pas en profiter, c'est sauvé par Mathieu Michel. Une bonne possibilité pour Bakwa. Bordeaux se met enfin en action. Le match est assez équilibré. Attention à toutes ces pertes de balles. Récupération niortaise. Et une chance de faire mal avec ce centre qui ne trouve pas preneur. La bonne action de Bilal Boutoba. Il a transpercé toute la défense bordelaise sans réussir à donner le ballon correctement à un coéquipier. Dommage pour les Chamois. 0-0 à la mi-temps. Bordeaux peut très bien gagner ce match, mais Niort a des chances de marquer. Ça reste très ouvert. Nouvelle action niortaise avec un Sagna toujours aussi remuant. La balle dans la surface pour Boutoba. C'est bien sauvé par Gaëtan Poussin. Nouvelle bonne action pour les visiteurs. Mais ils ne trouvent pas l'ouverture. Mathieu Michel pour le dégagement. Les Bordelais récupèrent la balle. Avec cette ouverture. Et le but qui change tout. La passe parfaite de Josh Maja pour Logan Delaurier-Chaubet. Premier but en Ligue 2 BKT pour Logan Delaurier-Chaubet. L'un des jeunes lancés cette saison par les Girondins de Bordeaux. Juste après l'heure de jeu à la 61e minute exactement. Il permet aux Girondins de mener 1-0. Ce but fait une grosse différence dans un match aussi ouvert. Bordeaux mène au score. Il reste encore du temps et Niort essaye de revenir, joue plus haut et s'expose aux contre-attaques bordelaises. En voici une de plus pour le 2-0 peut-être, c'est sauvé par Mathieu Michel. La belle intervention du gardien niortais face encore une fois à Delaurier Chaubet. Attention à ce raté de Gaëtan Poussin, ballon récupéré par Niort. Ça sort finalement, Poussin est revenu près de son poteau. Cette erreur de relance aurait pu coûter cher, mais Niort n'en a pas profité. Avec cette reprise d'Olaitan, au final, Bordeaux conserve son avantage. Victoire des Girondins de Bordeaux, 1-0 contre Niort.